il a permis à Volkswagen de monter en gamme en investissant le créneau du gros SUV luxueux. Dans sa dernière déclinaison, en version hybride et rechargeable, le Touareg R nous fait une démonstration éclatante. C'est à la fois un SUV, une auto luxueuse, une auto green capable de rouler sur la seule force des batteries, et aussi l'engin de série le plus puissant produit par Volkswagen, avec ses 462 chevaux. C'est tout cela à la fois, le Touareg RE hybride. On rappellera que le Touareg fut une auto essentielle pour Volkswagen. Lancé en 2002, il partageait de nombreux composants techniques avec ses cousins les Audi Q7 et Porsche Cayenne. Il a depuis été produit à plus d'un million d'exemplaires, ce qui est absolument remarquable pour une auto de cette stature. Nous avons affaire, ici à la troisième génération de l'engin, lancé en 2018, et présenté dans cette nouvelle version hybride et rechargeable, bien dans l'air du temps. Si le Touareg existe dans une déclinaison plus classique, avec deux niveaux de finition, atmosphère ou élégance, la version R lui apporte une posture un peu plus affirmée, avec ses jantes de 20 pouces. Le pack Erline aux appendices aérodynamiques plus affirmés, mis en valeur par les inserts noirs un peu partout sur la carrosserie. Sans aucun doute, voici une auto qui en impose, avec ses 4,87 mètres de long et 1,98 mètres de large. Tout au long de sa carrière, le Touareg a reçu moult mécaniques sous son capot. On se souvient des V8 essence et V8 TDI, de l'impressionnant V10 TDI et du raffiné V12. Toutefois, aucun n'a atteint la puissance de notre version R hybride qui, en associant un V6 turbo essence à un moteur électrique, développe 462 chevaux et 700 Nm, tout en étant capable de parcourir officiellement 47 km en ville sur la seule force de l'électricité, grâce à sa batterie de 17 kWh. En réalité, lors d'un test réalisé par un temps froid, avec chauffage et radio, ce sera plutôt une bonne trentaine de kilomètres d'autonomie, ce qui est déjà pas mal et permet au Touareg d'échapper au malus. Si la puissance de la version R vous paraît trop élevée, sachez que les deux autres modèles de la gamme, Atmosphère et Élégance, proposent 381 chevaux et 600 Nm de couple. Dans ce cas, le 0 à 100 km par heure est couvert en 6,2 secondes au lieu de 5,1, ce qui est déjà très bien, et la vitesse de pointe est de 250 km par heure dans tous les cas. Et au volant, c'est royal. Déjà, l'espace intérieur est remarquable, on s'en serait douté au vu du gabarit de l'engin. La version R dispose d'une suspension pilotée qui transforme le Touareg en véritable tapis volant, qui survole les aspérités de la route. Autre bonne nouvelle, une insonorisation remarquable, avec des bruits d'air parfaitement bien contenus, et une mécanique presque inaudible. Au point que lorsque le moteur thermique prend le relais de l'électrique, il faut tendre l'oreille pour se rendre compte de la transition. Bien calé dans des sièges impeccables, les kilomètres défilent sans accroc. On profite de cet intérieur à la finition impeccable, des sièges chauffants, ventilés, massants, du tableau de bord, InnoVision cockpit complet et moderne, de l'excellente sono, des 30 couleurs de l'éclairage d'ambiance. Évidemment, sur long parcours, les batteries se vident vite et l'intérêt d'une hybride rechargeable est d'être rechargé le plus souvent possible, pour faire les trajets quotidiens en mode zéro émission. Néanmoins, le Touareg est aussi une voyageuse accomplie. Sur route, la consommation tourne autour des 11 litres 100 km. On rappellera qu'il n'y a pas si longtemps, les gros SUV performants, genre BMW X5 V8, Touareg V8 et autres, ça ne descendait jamais sous les 16 litres 100 km. De fait, la technologie hybride est pertinente en toutes circonstances. Et bien évidemment, en vrai 44 doté de plusieurs modes de conduite, il saura vous emmener au sport d'hiver ou au fond du Sahara. Il est gros, il est puissant, il échappe au malus, il peut traverser les ZFE en mode zéro émission, il est sublimement confortable, le Touareg coche toutes les cases. Le verdict de STUF: spacieux et confortable, performant et sécurisant, le Touareg RE hybride dévoile une polyvalence absolue jamais prise en défaut. Les fiches techniques. Moteur, 6 cylindres en V, turbo plus moteur électrique. Cylindré, 2995 cm3. Puissance, 462 chevaux à 6400 tours par minute. Couple, 700 Nm à 1340 tours par minute. Boîte de vitesse, automatique, 8 rapports. Poids, 2465 kg. Vitesse maxi, 250 km par heure.
0 à 100 km par heure, 5,1 secondes. Consommation officielle de l'essai, 8 litres 100 km. Prix, gamme Touareg, à partir de 81 900 euros, version d'essai à partir de 96 950 euros. Alors qu'une finition mi-table peut ne pas sembler trop positif, Volkswagen a terminé en avance sur certains de ses principaux rivaux dans notre dernier sondage DriverPower. Le Touareg a aussi quelques-unes des technologies les plus avancées de sécurité encore vues dans les voitures de la marque et a reçu les 5 étoiles pleines de Euro NCAP. Fiabilité Volkswagen Touareg. Il est juste de dire Volkswagen n'a pas toujours eu le tour le plus doux dans notre POE driver propriétaire en quête de satisfaction, et la marque allemande ne pouvait gérer 17 sur 29 fabricants en 2022. Cela n'a lieu au-dessus de Audi, Land Rover, BMW et Mercedes, pourtant. Volkswagen acheteurs ont déclaré que infotainment et les coûts d'exploitation sont les domaines les plus importants, et 20,2% nous ont parlé d'un défaut dans les 12 premiers mois. Sécurité. La liste des kits de sécurité disponibles pour le Touareg R se lit comme les statistiques d'état civil d'une voiture de bande dessinée, avec la vision de nuit pour aider les piétons pour voir et les animaux dans l'obscurité et aide à la conduite semi-autonome qui peuvent prendre en charge les contrôles du trafic lourd. Le Touareg a reçu une cote de sécurité 5 étoiles Euro NCAP, dont 89% et 86% pour la protection des adultes et des enfants occupants respectivement, ainsi qu'un impressionnant 81% dans la sécurité.